une chanson super connue. Et vous allez nous donner le titre exact de la chanson. Et le nom de l'auteur. Et l'interprète. Oh non, bah, ça, c'est trop facile. Bon. Alors attention, parce que comme c'est trop facile, au début c'est difficile évidemment. Alors attention, si vous en mettez attention. Oh là. La base. Prêt. La base. Vas-y. Ni l'un ni l'autre. Ça pourrait. Ça pourrait. Mais bon. C'est de l'époque. Avec trois notes, c'est dur. Même moi, j'ai du mal. En fait, là, t'as eu quatre notes. T'as eu un accord. Essaye encore. C'est comme à la maison, mais encore. Le copain se fait d'accord, il est d'accord. En fait aussi, on dit encore. Attention, c'est parti. Je prends que les trous. Eh bien, mesdames, messieurs, voilà ce que ça donne quand on n'a que des trous. C'est chiant. Mais c'est gratuit. Donc, vous l'avez compris, c'est très important d'avoir le carton autour des trous pour éviter. Alors, il existe encore des fabricants, vous l'avez compris, il existe encore des fabricants qu'on appelle des noteurs, c'est leur nom, leur métier étant d'harmoniser la musique. Et la chance que j'ai, moi, et que vous avez pour vous ce soir, c'est qu'un des derniers noteurs de la région parisienne, il n'y en a plus que deux, et bien c'est Monsieur Jean, c'est lui. Voilà, alors, si ça vous intéresse, on peut vous expliquer la technicité, etc. Sinon, vous pouvez aller sur l'internet, où il y a une petite société avec un site qui s'appelle barbarissimo.fr.org. Bah oui. C'est pas compliqué quand même. C'est même pas difficile. Ceci étant, donc, l'orgue de Barbarie, c'est un instrument de musique. Moi, en fait, je ne fais que l'alimenter, je suis les piles. Bon, les piles à combustible, d'accord, mais les piles quand même. Le vrai musicien, c'est Monsieur Jean, c'est le noteur qui harmonise. Et alors, comme c'est un instrument de musique, ça peut jouer toutes les musiques si on peut les écrire et les mettre sur le carton. Même du rock and roll. Vous avez pas vu venir ça. La 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 la. Vous avez pas vu venir ça. Et de mal.